Bon, salut le vlog là, on a quelques trucs à se dire. Attends, laisse-moi juste sortir la maison. Oh, oh. Bah tu vois, parce que maintenant j'ai des obligations. Je comprends tellement le malheur des filles maintenant, tu sais, de se faire une couette et tout. Mais bon, ça fait partie du truc. Tu vas avoir les cheveux longs, il faut accepter de les manger, tu vois, quand on n'a pas envie, quoi. Ouais, salut, du coup, bah écoute, on se retrouve assez tard là. Il va être 6h dans pas longtemps. J'ai passé toute la journée à Bordeaux, tu vois. Tu sais, en ce moment, vu que j'habite un peu à la campagne, des fois, je me force un peu à bouger sur Bordeaux. Et alors, il y a plein de gens. Ah ouais, mais ça, faut que je te le précise. Il y a plein de gens là. Depuis que je suis un peu plus actif sur Instagram, tu sais, je pose vraiment plein de trucs et je me suis mis un peu dispo. Du coup, je parle avec plein de gens et c'est vraiment super cool. Je sais pas, peut-être qu'on s'est déjà parlé sur ce côté-là, mais il y a plein de gens qui me demandent si je suis arrivé en France. Alors oui, je suis rentré en France, tu sais, mais ça fait genre 3 semaines, tu vois. Donc voilà, oui, je suis arrivé en France et là du coup ouais, j'ai bougé à Bordeaux et j'ai passé un peu la journée. Je vois des potes, je parle et tout et ouais, on fait comme ça quoi. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un peu ce que je faisais en ce moment parce que je t'en parle pas trop. En fait, du coup on parle. C'est marrant parce que je parle avec beaucoup de gens de ce qu'ils font en ce moment dans la vie et tout et y a pas mal d'entre eux. Il y a pas mal d'entre eux qui me disent « Ouais, je suis au lycée » ou alors « Ouais, je fais mes études » et tout. Et on discute un peu d'orientation et tout. C'est super sympa, tu vois. Et je me rends compte qu'en fait, on est tous au même endroit. J'ai l'impression que tous mes potes à moi, en tout cas ceux que je vois en ce moment, on est tous dans cette même situation où on est un peu… Attends, on va continuer vers les remparts. Mais tu sais, on sait pas trop où on va. Je vais laisser passer. Allez-y. J'ai beaucoup de potes qui sont dans la même situation que moi et c'est marrant. Mais soit ils bossent, soit ils font des études et tout, et ils savent pas trop où ils sont, tu vois. Mais sinon, je voulais te dire ce que je faisais un peu en ce moment. Tu sais, je sais pas si t'as vu, mais sur Insta, je t'avais posté un truc. En fait, je fais une vidéo pour ma mère, là, pour son business. Tu sais, elle fait de la médecine chinoise et elle a besoin d'une vidéo pour promouvoir, en fait, ce qu'elle fait un petit peu. Et je me suis proposé de l'aider. Genre, j'aimerais bien faire ça. Ça fait longtemps que ça me tourne un peu dans la tête, mais tu sais, il y a plein d'entreprises qui ont... Aujourd'hui, tu sais, le digital, tu peux plus t'en passer, en fait. Et y a plein d'entreprises qui, du coup, ont fait ce pas-là, parce qu'il faut bien le faire. Aujourd'hui, tu vois, toutes les entreprises devraient avoir un compte Insta ou une page Facebook et tout. Mais il y en a très peu qui ont une chaîne YouTube ou des vidéos, tu vois. Et moi, je trouve ça assez dommage, parce que... Enfin, je sais pas si tu connais des entreprises qui sont dans ce cas-là, mais... Il y a plein de gens, tu vois, qui ont un business et qui pourraient vraiment parler plus de trucs personnels, tu vois, dans le sens où, je sais pas moi, je vais te prendre un exemple typique, mais une salle de sport, tu vois, une salle de crossfit, je te parle de ça parce qu'il y en a une à Bordeaux dans laquelle je suis allé faire un test et tout, tu vois. Mais ce serait génial que, tu sais, toutes les salles de sport postent des vidéos en mode « Ouais, on se met tous cher et tout, on bosse comme des porcs et on fait de la muscu, machin, et on transpire et tout ». Mais il y a très peu de salles qui proposent du contenu ou des vidéos un peu plus perso, tu vois, genre une interview avec le coach en expliquant comment il est arrivé là, qu'est-ce qui l'a poussé, machin. Tu sais, un truc un peu plus perso, un truc un peu plus humain. Et moi, j'ai l'intime conviction qu'aujourd'hui, on a tous besoin de ça, en fait. Plus le digital s'étend et plus tout ce côté, comment dire, tout ce côté... digital se répand et plus on a besoin d'être authentique en fait, si on fait des vidéos, si on fait du contenu, si on fait tout ce que tu veux, tu vois. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus aller vers quelque chose qui est numérique, tu vois, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus chatter à travers les écrans, enfin tu vois ce que je veux dire, ce développement de la technologie. Mais d'un autre côté, il va falloir être de plus en plus authentique parce que les gens, tu pourras de moins en moins les berner en fait. Et les gens, ils crèvent d'envie de voir des gens qui sont sincères, tu vois, qui racontent leur histoire et tout. Et tu sais, moi je fais des podcasts, je fais des trucs comme ça, tu sais, j'ai toujours essayé d'être le plus sincère avec toi possible, parfois même un peu trop, tu vois, mais tu sais, je parle un peu cru et moi j'ai cette idée-là, je me suis mis en tête que peut-être ce serait intéressant pour des gens qui ont aucun pied ou qui s'y connaissent pas dans les vidéos, dans YouTube ou quoi, mais tu vois, de se faire interviewer ou d'avoir des vidéos, que je pourrais leur proposer des vidéos où moi je mets en avant toute cette facette authentique en fait de leur business. Donc voilà, c'était pour te dire un peu ce que je faisais en ce moment. Mais du coup là, j'ai tourné avec ma mère, j'ai tourné tous les plans sur qui vont me servir dans la vidéo pour les phases de séquence, tu vois. Et maintenant, il faut qu'on tourne l'interview et on le fera genre la semaine prochaine, tu vois. Donc, et je le posterai sûrement sur ma chaîne. Donc, si ça t'intéresse un peu la médecine chinoise et tout, tu verras sans doute le résultat.
Et puis sinon, voilà, écoute, franchement, je parle avec pas mal de gens là. C'est vraiment génial, hein. J'avais jamais parlé autant avec des gens qui me suivaient. Mais tout ça se passe sur Insta. Je t'avoue que Facebook, je sais pas trop comment, je sais pas encore trop comment le gérer, mais là je poste des trucs et tout. Et si tu veux parler, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, t'as le lien dans la description. Et je suis assez dispo, je suis assez là-bas en ce moment. Le problème sur YouTube, tu sais, c'est que tu peux pas trop communiquer. Bref, aussi ce que je voulais te dire, c'est que ah ouais, tu sais, il y avait cette histoire de live avec Skype là. Je vais le mettre en place, vraiment, je vais le mettre en place dans le courant de la semaine. Mais tout ça, pareil, je te le ferai savoir sur Instagram et Facebook. Genre, je te dirai une heure avant, ouais, dans une heure, je suis dispo sur Skype. Et tu sais, c'est pour que si jamais t'avais envie qu'on se parle ou quoi, je me connecterai sur Skype pendant 2 heures, genre une fois tous les 2 jours, tu vois. Et pendant 1 heure ou 2 heures, je serai dispo, donc on pourra discuter si tu veux, tu vois. Et voilà, écoute, mais voilà, là je suis à la maison, quoi. C'est vraiment super joli, hein. Mine de rien, je suis vraiment super content d'être ici. Mais ouais, écoute, je suis toujours un peu sur la brèche parce que je sais pas. Je pense qu'il faut lâcher en fait des fois le truc de savoir où tu vas parce que mine de rien, ça te ronge un peu, quoi. Quand tu y penses trop, tu sais, quand tu y penses trop, ça a plus trop d'importance et. Je sais pas, je m'étais dit que hier je regardais des vidéos, des vlogs en slovaque. Si tu me connais, tu sais que je suis moitié français, moitié slovaque. Et je me suis mis un défi, je me suis dit écoute, au moins en termes d'objectif, tu vois, pour avoir juste une sorte de, ouais, de cible, d'objectif sur long terme, je me suis dit pendant une année je reste ici, tu vois, à Bordeaux et je fais tout ce que je peux, je prends toutes les opportunités que je peux et je bosse avec des gens dans tous les domaines. Si je dois lancer un truc, je lance un truc, peu importe. Mais dans un an, je pars vivre en Slovaquie, tu vois. Je me suis dit ça et du coup, je me mets à regarder des vlogs, à essayer de capter le slovaque et tout parce que je sais plus parler. Je sais tellement plus parler, je suis tellement honteux qu'avec mes cousines en Slovaquie, je leur parle anglais, tu vois. Donc c'est vraiment la misère, ça veut vraiment dire qu'il faut que j'y retourne, quoi. Donc voilà, écoute, mais si tu veux me joindre, c'est sur Insta, c'est vraiment la façon la plus simple. Je te tiendrai au jus pour le Skype là et voilà quoi. Voilà ce qui se passe de mon côté. J'espère que du tien tout va bien et je vais te laisser là, mon ami, avec ce joli coucher de soleil. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.